Spider-Man. Ah, c'est lui, Kraven, voilà. Ah ben oui, c'est le chasseur qui a une belle femme. Impressionnant. Mais tu n'es qu'un bleu. Tu manques d'expérience. Je suis assez expérimenté pour cogner vos copains. Oh oh. Je suis russe. Mais je n'ai rien à voir avec ces chiens. Ah. Mon nom est Sergueï Kravinov. Sergueï Kravinov. Et on m'appelle Kraven le chasseur. Kraven le chasseur. J'ai eu votre message. Mais d'après mes recherches, vous êtes un de ces types qui se balade à poil dans la forêt en mangeant des insectes pour éviter la télé. En quoi c'est censé m'aider, hein? Tu n'es qu'un enfant qui joue à être un homme. Je peux faire de toi un vrai chasseur. Si jamais tu acceptes, je serai là. Compris? Est-ce que tu le fais gratuitement ou bien? Je dois-tu te payer? Dis-moi pas que je dois te payer. Pourquoi tu ferais de moi un chasseur? C'est... Parker, où sont vos photos de la conférence de presse Fish-Cosborne? Oh, pardon, monsieur Jameson, mais j'avais cours. J'ai une vie en dehors du boulot. Un moment, tant que le travail passe avant tout, vous ne méritez pas votre carte de presse. Oh! Ce Jameson, il est l'enculé. Attends, quand je me soigne. Je crois que cette carte de presse va m'être très utile. Ah, ok, je croyais que quand j'allais me soigner, les petits trous dans mon costume allaient se réparer. Je sentir que je suis pas le seul à mener ce combat. Mais est-ce que je peux avoir confiance en Kraven? Kraven ne semble pas connaître ma véritable identité. Sinon, il serait venu chez moi. Je me demande. Je me débrouille mieux tout seul. Mais en même temps, j'ai jamais fait autrement. Si Kraven m'enseigne ses techniques de chasse, je dépendrai plus des communications de la police pour traquer les criminels. Évidemment, je lui dévoilerai pas mon identité. Et je resterai sur mes gardes au cas où il décide de me doubler. J'ai jamais eu d'entraînement spécifique pour apprendre à combattre. Les techniques de Kraven pourraient m'être utiles si je venais à perdre mes pouvoirs. Je crois pas que tu perdrais tes pouvoirs, non. 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 T'es Spider-Man, écoute! On a toujours besoin d'un Spider-Man à New York, là. Tu perdras jamais tes pouvoirs, ok? Ok. Ne t'en fais pas. Pas de panique. J'ai besoin d'informations sur Kraven et je peux me servir de ma carte de presse. Aucun problème. Sauf que s'il découvre que je suis photographe et pas journaliste, il risque de me transformer en trophée. Bon. Il est riche, hein? Kraven est love. Il y a un love. Peter Parker! Salut, Toss! Waouh! Regardez son manoir. C'est... Il y a plein de trophées. Un ours, un tigre, un rhinocéros. Je serais pas surpris de voir un dinosaure, hein? Utilise attraction de toile pour blablabla. Bla 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 bla. Bon, allez! Parlons business! Kraninoff, c'est moi, Peter Parker, du Daily Bugle. Daily Bugle? On s'est parlé au téléphone. Et la porte est... Monsieur Kraninoff? J'ai même pas fini ma phrase et je commence une autre. D'accord. Surprise, motherfucker! Il va sortir de nulle part et me faire peur. Oh, grosse connette, oui. C'est quoi cette merde? Un dinosaure pour vrai? C'est vraiment un dinosaure? Bonsoir. Oh, désolé de vous avoir fait peur. Je suis Kraven. Pardon, je te connais pas. Pour cette entrée soudaine. Ce n'était qu'une démonstration de mes talents. J'ai regardé vos vidéos sur le web. Je vous ai vu neutraliser ce tigre sibérien à main nue, sans lui faire de mal. C'est une espèce menacée. J'ai emmené ce tigre loin du village pour son bien et pour celui des habitants. Les chasseurs dignes de ce nom cherchent à préserver la nature. C'est là que nous trouverons la paix. C'est bien sage. De la nature, ici. Dans ta J'avais gueule. J'avais besoin de changement. J'étais venu chasser les monstres créés par Oscorp. Les mutants. Une combinaison redoutable d'animaux et d'humains. J'ai stoppé cette menace. Mais je me suis attaché à la ville. Et la ville s'est attachée à moi. Alors j'ai décidé de rester. Et maintenant, vous chassez des gens normaux? Non. Des criminels. Seuls les hommes qui s'en prennent à leurs semblables
ont une raison de me craindre. Ah! C'est un vrai poète, ce gars-là. Ah! Bon, bon, bon. Il a dit qu'il a tué des mutants. Je me demande s'il a pété la gueule de la bande des X-Men. On sait jamais. Qu'en est-il de la brigade spéciale? Cette nouvelle brigade spéciale envoie un message clair. Non aux justiciers. Ah, je me méfie d'eux. Ils sont payés par Fisk. L'enculé. Vous avez certainement entendu parler de ses activités illégales. Oui, ouais. Comme tout le monde. Mais il n'y a aucune preuve. Et la police le laisse faire. Parce qu'il soudoie les éléments véreux. Et les autres font tout pour éviter d'avoir l'air incompétent. Tandis que le public prie pour que la vague de crimes soit endiguée. Je ne veux qu'une seule chose. Des résultats. Ah, génial. Il est génial, ce mec. Qu'est-ce que la police pense d'après de vous? D'après mon expérience, mes recherches, la police n'aime pas trop les justiciers. La police ne s'est simplement pas montrée à la hauteur. Dommage. Ok. Je crois qu'ils n'aiment pas trop qu'on leur rappelle ça. Je ne cherche pas à les insulter. Mais ce serait bien pire d'avoir la capacité d'agir et de rester les bras croisés. Excellent! Vous n'êtes pas d'accord? Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Si. Tout à fait d'accord, bien sûr. Oh, ce gars-là, c'est un bon mec, c'est un bon mec. Je peux le faire confiance. Faire confiance à quelqu'un. Je peux lui faire confiance. Je peux lui faire confiance. Parlez-moi de votre dernière chasse. L'homme est-il vraiment le gibier le plus dangereux? À sa manière, oui. Mais l'homme n'est rien d'autre qu'un animal très évolué. La vague de crimes actuelle me donne des opportunités fascinantes pour l'étudier. J'observe les différentes factions. T'es-tu un scientifique? Qu'est-ce que vous avez appris? Les criminels ont des points communs avec les animaux. Ils ont des terrains de chasse, des comportements spécifiques. Oh. Ils voyagent en groupe. Mais il y a des différences. Les gangsters sont des animaux. Les animaux tuent uniquement pour survivre. Seuls les êtres humains sont délibérément cruels. Ce mec-là, là, c'est un chasseur et un scientifique. Ouais. Donc votre responsabilité est de mettre vos capacités au service de la justice. Oui. Si je ne faisais rien, je ne serais pas digne de cette puissance que je possède. Merci. Je crois que nos lecteurs trouveront ça très intéressant. Bien, bien. Je dois prendre cet appel. Mais faites comme chez vous. N'hésitez pas à prendre des photos. Oh, oui. Oui. Non, des fléchettes tranquillisantes. Non, les armes automatiques ne m'intéressent pas. Elles sont trop barbares. Je suis un artiste. Chasseur, artiste et scientifique. Bon, est-ce que je peux-tu voler ses affaires? Ah, à chaque fois je dis, est-ce que je peux-tu voler ses affaires comme le tu, là? C'est strictement québécois. Non, vous n'avez pas à comprendre ça. En gros, c'est un pronom qui est là juste pour le fun. Je peux rayer ça de ma liste. Yeah! Examiner le crâne d'éléphant. Ouh, ça ferait une super photo. D'accord, d'accord. Dun, 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 dun. L'image n'est pas assez nette. Fuck you! Burke, je dois mieux cadrer mon sujet. Celle-ci n'est pas bonne. Je devrais trouver un meilleur angle. Ok, ok. Je peux faire mieux que ça. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok, comment je dégage là? Comme ça. Juste, saute! Allez, grimpe! Grimpe là! Grimpe! Ah, ok, ok. On va faire ça comme ça, c'est bon? C'est un meilleur angle, ça? C'est l'image qu'il me fallait. Voilà! On s'entend, on s'entend. Bon. Prochaine chose à regarder. Oh! Ah, sexy! Salut, sexy baby! Attends, attends, attends. On va prendre ça comme ça, voilà. Je pouvais pas rêver mieux. Moi non plus, mon ami! Ah, c'était une des missions! Ah, c'était une des affaires que je devais prendre en photo! Waouh! Oh, crâne du T-Rex. Ça ferait une super photo. D'accord.
Tu veux que je le prends sous cet angle, n'est-ce pas? Comme ça? Voilà. Excellent. Excellente. Pardon pour cette interruption. Est-ce que vous voulez voir mes derniers trophées? Ah ah! Tu cherches Spider-Man, hein? Tu cherches... Il y aura une plaque, là, avec le nom de Spider-Man. Et là, il dit... C'est la proie que je cherche le plus. Oh, baby! Wow! Ah là là! Oh, je voudrais jamais... Est-ce qu'ils sont vivants? Oh, oh putain! Allez. Oh, ça, c'est la sortie. Ça, c'est la sortie. C'est pas bon. Bon. Y a-t-il autre chose que je peux faire ici? Tu te caches là. Je peux tuer. Je voulais détruire cette affaire là, cette boîte à musique. Ah, oh, amélioration, oui! Ah, oh, enfin! Allez, donne-moi ça. Grâce à sa faculté de concentration, Spider-Man peut maintenant lancer une attaque en frappe de toile pendant une charge de toile. Appuyez sur 1 après une charge de toile. Attends. Appuyez sur left click après une charge de toile. La charge de toile, c'est-tu mon Super Saiyan Kamehameha? C'est tout ça? Est-ce que c'est ça? C'est tout ça? C'est un synonyme de est-ce que c'est ça? Vous comprenez? Bon, je suis pas là pour vous apprendre le québécois. Oh! Ouais, moi aussi, c'est ça. C'est exactement ma réaction. Bon, hey, prends là-dedans, voilà. Voilà, des mutants. Fascinant, n'est-ce pas? Wow! Spider-Man les avait pas capturés? Une solution inadaptée. Ils ont fui. Oh! Et vous, les avez tués? Pour sauver la vie de leurs victimes, oui. Et pour me défendre aussi. Ils étaient redoutables. Je sais, enfin, j'imagine. Putain. Est-ce que t'es un bon gars, oui ou non? Je les ai capturés, je les ai foutus en prison. Et toi? Toi, tu les tues pour les mettre en trophée? Bon, on ne va pas les juger. On ne va pas le juger le monde. On va le demander des questions. Est-ce que vous tuez vos proies? Mais pose ta question, qu'est-ce que ça t'attend? Qu'en pensez-vous avoir le droit de tuer? Quand je n'ai pas d'autre choix, je ne tue pas sans raison. Mais quand c'est nécessaire, je n'hésite jamais. Oh! Si un innocent perdait la vie à cause d'une mauvaise décision, je ne me le pardonnerai jamais. Je vous comprends. Ça me va trop au cœur. Oncle Ben! Qu'est-ce que vous avez? Non, est-ce que vous avez des pouvoirs? Ils avaient tous des pouvoirs surhumains. Comment vous avez fait? Ah, lui, c'est son je nez. Je me suis entraîné à repousser les limites humaines en augmentant mes forces par des moyens naturels. Pas avec les drogues de ces vermines qui polluent les rues, mais les secrets de cultures indigènes. Ah. Herbes, potions, des mystères oubliés par l'homme civilisé. Amérindien, Maya, d'aller les voir, je le sais. Et Carnage Killer. Chasseur de criminels, on pourrait croire que Carnage Killer, c'est vous. Ah, ce n'est pas un chasseur, c'est une brute, un sauvage. Son existence même est une insulte aux hommes tels que moi. Donc même si il chasse les criminels, vous aimeriez l'arrêter? Bien sûr, il déshonore ce que je fais. Sans honneur, Peter. La chasse n'est rien. Vous avez compris? En d'autres mots, arrêtez de manger du poulet. Dernière question. Est-ce qu'il vous reste encore quelque chose à accomplir? Oui. J'aimerais que mon art perdure après ma mort. Transmettre mon savoir à un protégé. Ah. Ma seule famille est un frère qui suit une autre voie. Je n'ai pas de fils. Mais... peut-être... Ah, excusez-moi. Je deviens mélancolique en vieillissant. Vous avez ce qu'il faut, Monsieur Parker? Oui. Je crois que c'est bon. Tu voulais juste un successeur.
pour ça qu'il voulait m'entraîner. Il voulait juste un successeur. Waouh. Ah ça, c'est triste. C'est triste. Il veut juste un successeur. Je vais accepter l'offre. Je vais accepter l'offre. Dévoile mon identité. Je vais le dévoiler. Ça va, ok. Je peux pas lui parler. Donc, le dévoilement se fera un autre jour. Mais oh. Wow, sexy. Sexy. Bon, ce gars, il chasse pas. Il ne tue pas le monde si ce n'est pas nécessaire. Mais pourquoi t'as 4 têtes de rhino? C'est comme, t'as tué les deux parents et les deux bébés. T'as tué les deux parents et les deux bébés. Je ne sais pas si je dois te croire ou pas. Regarde, t'as tué un tigre ici. Et attends, après on monte. Attends. Ici, t'as un autre tigre. Ok, oui, un c'est blanc et l'autre c'est brun, mais... Tu ne tues pas sans raison. Je crois que... t'es rempli de bullshit de merde, oui. Oh. Est-ce que je dois lui croire? Est-ce que c'était un appât? Je sais pas s'il sait que je suis Spider-Man et j'allais prendre l'appât. Je sais pas si c'est un appât ou pas. Est-ce que je me demande si j'aurais le choix d'être son successeur ou pas. Mais bon, waouh.